Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je m'en vais direction au kiné. J'ai décidé de vous faire partager un petit peu ce moment-là. Il y a beaucoup de monde qui me demande est-ce que je fais encore de la kiné, de quelle façon, pourquoi j'en fais. Donc voilà, aujourd'hui, nous allons chez mon kiné que je connais depuis un petit moment déjà. Vous allez pouvoir voir dans quelles conditions il me fait travailler, ou du moins quel muscle il doit me maintenir en activité pour pouvoir continuer à marcher avec mes béquilles. Allez, à tout de suite. Bah alors. Ah bah non, ça va, 15h10. Voilà, donc nous voilà chez Hakim. Hakim qui s'occupe de moi depuis mon accident en fait. C'est vrai. Là pour toi, là c'est ce qui est important, c'est de maintenir en fait toutes tes amplitudes articulaires, toute ta force musculaire. Moi je ne parle pas beaucoup de la force en tant que telle, mais maintenir la souplesse au niveau des articulations, la souplesse au niveau musculaire, c'est des choses comme ça qui sont importantes. C'est plus de l'entretien que on va aller gagner sur quelque chose, ou en fonction des besoins. En fonction de tes besoins à toi, les besoins du jour, les douleurs liées au sport, ouais, que t'as pratiqué le week-end, des choses comme ça. Je pense que chaque paraplégique a quand même un petit rêve en tête, c'est de remarcher un jour complètement grâce à la science. Donc c'est important d'être préparé au cas où, d'avoir toujours une bonne mobilité de tous nos membres. Donc voilà, c'est pour ça qu'on mobilise un maximum toutes les articulations. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous en savez un peu plus sur comment je fais un petit peu l'entretien avec le kiné. On parle ici vraiment d'entretien et pas de rééducation, parce que pour moi la rééducation, tout ça c'est terminé. Je m'entretiens via, comme vous avez vu dans les autres vidéos, du vélo ou la natation ou en musculation. La kiné, c'est vraiment pour moi m'entretenir et essayer de continuer à pouvoir performer pendant ma marche. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, agissez comme s'il était impossible d'échouer. Ciao, ciao!